J'espère que vous allez bien. Bon lundi matin, il est présentement 9h30. Je suis levée depuis 5h30 à peu près du matin. Je voulais... Oui! J'ai une petite pitoune qui s'est réveillée à 9h. Ben 9h, 8h30, presque 9h. Puis aujourd'hui, la petite madame apporte une robe de 18 mois qui appartenait à ma filleule. Ça lui fait comme un gant. Elle est longue, mais tant mieux si elle est longue. Je vais commencer à y mettre du linge plus grand parce que il fait. On est revenu de Rivière-du-Loup hier. J'ai pas filmé à Rivière-du-Loup vraiment, à part la journée que je suis arrivée. C'est la seule journée que j'ai filmé. Fait que ce matin, je me lance. Puis là, hier, on a eu tout un orage de malade. Mais vraiment, de malade. Après d'avoir couché la petite, après d'avoir couché Amélia, ben, il s'est mis à. Le ciel est venu noir, noir, noir. Même un peu avant qu'elle se couche. Parce que papa est allé travailler dans le cours. Puis, c'est venu noir, noir, noir. Puis, C'était le château? Non. On dirait que. Que je sais plus parler aujourd'hui. C'est venu noir, noir, noir. Il a commencé à tonner, à éclairer. Puis à un moment donné, on a couché la petite. Puis après ça, le ciel, c'était un éclair en arrière de l'autre aux secondes. Je vous mens pas. Vraiment, je vous mens pas. C'était vraiment aux secondes. Puis c'était pas juste des petits éclairs, là. Ça éclairait le ciel carrément. Il était 7h15, puis c'est venu quand même assez noir. Puis, comme s'il était 9h le soir. J'ai l'impression que ça va retomber encore aujourd'hui, un autre orage. Parce que c'est très humide, puis il faisait chaud aussi, c'est humide hier. Puis à un moment donné, on perd le courant, mais là, on dirait que ça voulait revenir, mais ça repartait. On a manqué de courant 3 fois, puis la première fois, on a manqué de courant assez longtemps. Que j'ai pas cuisiné, que j'ai rien fait de toute manière, il faisait très 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 chaud et humide hier. C'était pas une journée vraiment pour cuisiner hier. Fait que... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement... Attendez, je suis en train d'écouter les bleus. Un matin, j'ai réussi à y donner de la purée des céréales avec du yogourt à la fraise. À midi, elle mange un restant de bananes, courgettes et fraises, framboises. Elle a essayé de manger tout seul. Sinon, la petite madame n'a pas voulu faire de sieste un matin. Fait que là, elle est chigneuse, elle s'endort, mais elle ne veut pas dormir. J'ai essayé sur le divan. J'ai essayé avec la musique de méditation. J'ai essayé en la couchant sur moi. Puis j'ai essayé dans sa couchette. Rien qui fonctionne. Fait que cet après-midi, je dois aller porter la voiture au garage pour 1 heure. Fait qu'on va revenir en poussette. La nuit d'avant, le système d'alarme a décidé de partir à 2h30 du matin. La petite madame, elle s'est pas réveillée, mais ça a sonné 3 fois pendant la nuit. Je peux-tu vous dire que ça sursaut puis ça réveille mal? La nuit d'avant, le système d'alarme, Benji se met à japper dans la nuit à 3h puis à 4h du matin. Pour aucune raison. Encore là, j'ai mal dormi. Aux enfants, pour les dents de bébé. Par les dents d'enfants qui poussent. Est-ce que vous les avez brossées? Mon chum dit que ça vaut pas la peine de les brosser parce qu'ils vont tomber pour avoir les dents d'adulte. Puis les dents d'adulte, il faut prendre soin. Il me semble que moi, je brosserais les dents pareil des bébés. Dites-moi donc dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus. Coucou à tous! J'espère que vous allez bien. Il est présentement 3h36 et on est de retour à la maison. Je suis enfin allée faire des commissions. Dans le fond, je suis arrêtée à la pharmacie. Je suis allée porter, ben, en premier lieu, je suis allée porter la voiture au garage. Après ça, je suis
T'es allée à pied à la pharmacie. J'ai des cheveux en face. J'ai des cheveux dans la face, mes cheveux m'écoutent pas. Ouais, je t'allais porter la voiture à la pharmacie. Je t'allais porter la voiture au garage pour le changement d'huile. Après ça, j'ai pris la poussette, j'ai marché jusqu'à la pharmacie. Je suis allée chercher nos médicaments à moi et mon chum. Après ça. Ce gars! On a une petite madame. Dans la sauteuse. À la pharmacie, j'ai aussi acheté du papier toilette parce qu'on n'en avait plus. Puis des purées pour Amélia. Bien sûr, pas pour moi. J'en avais acheté deux, mais et aussi j'ai croisé une madame qui était sur le bord du chemin au IGA, puis qui avait l'air d'avoir trois enfants, puis elle disait qu'il y avait de la misère à leur donner à manger, puis tout. Puis elle venait de la Roumanie. Manger, puis tout. Fait qu'il y a du monde qui arrêtait, puis donnait des choses. Ça se peut que ça soit une vraie personne. Une vraie personne. Vraiment vraie. Fait que moi, j'ai donné deux pièces qui me restaient dans mon portefeuille, plus un sac de purée. Parce qu'elle disait qu'elle avait un enfant de 5 ans, 3 ans, puis 5 mois. Puis j'ai dit j'avais du stock à la maison, de rester là parce que c'est au IGA, genre à 5 minutes. Là, j'arrive ici en poussette, il fait dire fou, c'est l'enfant, il fait encore super chaud et humide, là, je peux vous garantir. Je suis avec madame qui fait du vin. Puis la petite madame a dormi, je suis venue prendre du stock que j'ai mis dans un sac, j'avais pris. De la purée de viande que ma fille aime pas. J'avais mis du linge, des couches qui font plus. J'avais mis une boîte de céréales, j'avais mis des sachets de griots. Puis là, quand je suis retournée au IGA, la madame est plus là. En plus, elle me dit qu'elle m'attendait. Finalement, elle m'a pas attendue. Et je sais pas si c'est une arnaque ou si c'était vrai. On voit mes tomates qui sont rouges en background. Puis là, ben ma fille est chigneuse parce qu'elle a fait une sieste dans l'après-midi, mais c'est tout ce qu'elle a fait. Puis là, la petite madame, elle veut être debout, mais il faut la tenir. Fait que dans ce temps-là, on ne peut plus rien faire. Fait que l'autre purée que j'ai achetée, que j'ai gardée, c'est pommes et patates douces. J'ai reçu aussi mon Ipsy bag d'Aou. Fait que le papier de toilette que j'ai acheté, j'avais même mis un paquet de lingettes aussi dans le sac pour la madame. La madame qui devait avoir mon âge parce qu'elle paraissait pas si vieille que ça. Je vous montrerai les cadeaux que j'ai reçus plus tard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement inscrit dans un groupe sur self-care de Mona avec Marie-Pierre DV. RD, en tout cas, une autre fille que je suis sur Instagram, les deux c'est des amis ensemble. Puis elle travaille pour les produits Mona. Puis je la suis depuis quand même longtemps, même si j'achète pas nécessairement les produits Mona, là, j'aime vraiment la suivre parce que c'est une fille inspirante qui dégage de l'énergie mais qui vit des affaires quand même comme nous autres. Et c'est une fille qui peut être anxieuse, stressée, puis mais à pas l'air de ça, elle nous montre. Comment s'assumer en tant que femme forte? Oui, je suis plus forte qu'elle, mais Andréane, c'est pareil aussi. C'est deux personnes inspirantes, puis vraiment, elles sont super gentilles. Vous devriez aller les suivre sur Instagram parce qu'ils nous montrent la vraie vie, de ne pas s'empêcher de porter des vêtements, de porter des bikinis ou de porter des vêtements qui, pas nécessairement qui ne nous vont pas bien, mais. Qu'on pourrait se sentir gêné de porter. Fait que maintenant, moi, je pas des culottes courtes depuis un méchant bout, des camisoles, des bikinis. Non, je suis moins fan des bikinis. Mais je porte des tankinis. Je porte des culottes courtes. Puis je me gêne pas. Faut pas avoir peur du ridicule. Puis faut pas avoir peur non plus. Yeah, cool! J'aime beaucoup les produits Origin. J'ai reçu un produit de chez Origin.
C'est un Fruity Face Wash. Une mousse nettoyante pour le visage. Je vous dis, le seul maquillage que je m'achète, c'est les maquillages de chez Ipsy Bag. Ok, là on va mieux. Bon. On voit plus mieux les couleurs, là. Donc, je vous montre ce que je fais. Ça. Y'a-tu des fans de Sims ici? Si oui, écrivez-moi là dans les commentaires. Je veux vous entendre. Dites-moi c'est quoi vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez faire. Puis moi, je joue aux Sims 4 en passant, là. Puis j'enlève mon sapin de Noël, là. Les deux prochains produits que j'ai reçu un super sérum foundation. Puis un stick. Un lip balm teinté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 9h12. Je ne vous ai pas reparlé depuis un petit moment. Mais la dernière fois, j'étais en bas en train de jouer au Sim puis je vous montrais le contenu de mon Xbox. C'est ce que je me souviens de vous avoir filmé les dernières choses. Après, je suis montée en haut préparer le souper. Puis, pour souper, on a mangé de la pizza que j'ai faite chauffer. C'est de la pizza Max. Mon chum avait été à l'épicerie la semaine passée. Donc, c'est ça qu'on a mangé, de la pizza au poulet ou flécher barbecue. Là, je suis en train de sortir une brasse. Une brasserie, on va dire bien. Je vais laver du biberon parce qu'il est presque tout de lait de près. Sinon, j'étais en train de préparer le lunch de mon amoureux. Il va amener le restant de... Je suis en train de faire le montage d'un vlog. Le vlog du 17 août, le vlog de mercredi passé. J'ai encore du retard parce que finalement, on n'est pas monté samedi à la maison, on est monté hier. Je vais essayer d'en prendre le beat, là, de mettre plus de vlogs en ligne. Parce que j'ai vu que on a repris, on a un nouveau abonné. Il est à 220, sûrement 221. Puis, le nombre de vues de mes vidéos a augmenté. On est à 3872. Il me faut 4000, puis 1000 abonnés. Moi, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous aime fort. Puis, on va se reparler demain. Une bonne journée. Bye bye.